Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 6, donc pour l'épisode 34 de ce Walfu. Donc on va charger la partie, hop. Donc je vous rappelle que la dernière fois du coup on a fait un peu de secondaire du côté clan créateur. On a affronté l'un des derniers 6 lunatiques, et puis le prochain ça va être Okada, le chef des 6 lunatiques. Et aussi, on a eu une petite quête secondaire qui a démarré là, hein, quand je devais prendre le taxi, à savoir un poseur de bombes fou, on va dire, qui apparemment faisait partie de la triade Snake Flower, aka Serpent Fleuri. Qu'est-ce qui se passe ? Makotonate, est-ce que tu es libre ? Ok. Décidément, là j'enchaîne les quêtes sans rien demander. Vas-y. Donc apparemment, il voudrait nous voir. Date-san karda. Nanda. Date-san kara tanomigoto tte no wa mezurashii na. Alors on va dire que oui, du coup. Quand même, c'est Date-san, même si c'est bizarre, on va quand même accepter. Wakatta. Nani o tetsudau da? Prepaid card? Nanda sore wa? Nanda sore wa? Setsumei nashi ka? Dou yara soutou na kyūyou rashii. Prepaid card. Katta koto nai ga konbini da shi. Itte mireba wakaru ka? Wakatta. Kekkou na gaku da na. Nanka Date-san mail da to myou ni oshi ga tsuyoi na. Nante itta ka? Netto benkei tte yatsu ka? Selena no mama ni wa shiri ni shikarete ru kusei ni. Komatta hito da ze. Wakatta. Ato de renraku suru. Prepaid card o 5 yen bun ka. Toriaizu konbini ni itte miru ka. Bon bah let's go, hein. S'il a besoin de carte prépayée, c'est complètement suspect. Mais on y va quand même, y a pas de souci. Ça tombe bien, en plus y a un convenience store juste à côté. Voyons voir s'ils vendent des cartes prépayées ou s'il faut que j'aille au Don Quixote. Sumanai ga prepaid card tte no wa aru ka? Ah, moushaki arimasen. Tada ima zen shurui kirashite orimashite. Sou nano ka. Maga waru katta na. Moushaki arimasen. Iya, ii nda. Arigato. Hoka no mise o watatte miru. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a pas de chance? Attends, pourquoi il y a une bulle de nouveau? C'est bien. Attends, je retourne, parce qu'ils affichent toujours les bulles sur les minimaps comme s'il y avait une quête, alors que bah, j'y suis déjà allé. Bon, écoute. Peut-être un bug, j'en sais rien. Donc c'est pas grave, on va aller à un autre convenance store. Il y en a un qui est ici, hop. Mais bon, on se doute bien que il y a peu de chances que ça soit Makoto Date qui nous demande réellement 5 cartes prépayées. Ça sent évidemment l'entourloupe. Mais vu que Kiryu est quand même assez naïf et qui fait confiance à Date, bah forcément il va tomber dans le panneau. Et c'est pas grave. Parce que en général, vous savez que ça termine toujours bien quoi qu'il arrive avec Kiryu. Quand il va comprendre qu'il se fait arnaquer, il va casser des gueules. On sait déjà comment ça va se passer. Alors. Alors là, il n'y a pas de carte prépayée, on me dit rien du tout. Ah, il est là, c'est pour ça. Prepaid card ってのはあるか? Ah, 申し訳ありません。ただ今全種類切らしておりまして。
ここもか。そんなに人気なのか。申し訳ありません。いや、いいんだ。ありがとう。他の店を当たってみる。Bon bah décidément, qu'est-ce qui se passe? Alors soit tout le monde a décidé d'en acheter, soit tout le monde a décidé de se faire arnaquer. Parce que c'est quand même bizarre cette histoire. Que tout le monde soit en rupture de stock, il y a quand même un petit souci. Pour être honnête, je sais pas comment va se dérouler cette quête parce que je m'en souviens absolument pas. Je verrai plus tard. Donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Ça me dit rien du tout, donc je pense pas avoir fait cette quête par le passé. Mais tant mieux, hein, ça va permettre d'en découvrir une autre. Merde, c'est plus loin. Putain, les mecs, ils vont me suivre. Faudrait que je parle à un mec. Vite. Ah, dommage, pas eu le temps. Bah attends, on va sortir parce qu'après, ils vont pas vouloir commercer avec moi. Je sais pas ce que j'ai jeté sur la gueule, mais ça a suffi en tout cas. Ok, bon, est-ce qu'ils vont vouloir commercer avec moi? J'ai pas pété leur vitrine. Ah, c'est pas avec lui que je dois parler. Alors, j'ai peut-être acheté 2-3 trucs parce que là, mine de rien, ça fait un petit moment que j'ai pas fait le plein. Donc comment on sera prêt pour la suite? Voilà. Impec. Alors. Date-san kara prepaid card tte no kau yo tanomarete iru na. Sumanai ga prepaid card tte no aru ka? 1万円 no yatsu o 5枚 hoshii. Arigatou gozaimasu. O kaikei 5万円 ni narimasu. Ah, tanomu. Arigatou gozaimashita. Bon du coup, si le mec il demande mes photos, évidemment c'est pour pas le retracer. On va faire genre le mec, bah... Pourquoi tu veux les photos? C'est bizarre. On va quand même forcer. Nara tewatashi no hou ga hayai. Shashin o okuru fouhou shiranai. Kore wa iyoyo ayashii na. Allez, on force encore. Isoide iru nara tewatashi no hou ga hayai. Ore mo Kamurocho ni iru. Hannou ga nai na. Bien, on a bien fait de forcer, parce que sinon on serait fait arnaquer.
On aurait peut-être pu trouver un moyen quand même de résoudre le truc. Mais... Ah, par contre, le scénario building, moi je sais plus où c'est. Hein. Ils sont gentils, mais c'est pas évident. Task. Apparemment, ça serait là-bas, ok. C'est au même endroit que le Nyan-Nyan de café, ok. Parce que je me suis dit, à mon avis, ça c'est le truc du Nyan-Nyan de café, mais non, c'est vraiment dans le même bâtiment, ok. Sauf que c'est sur le toit, donc on va peut-être passer par l'échelle, je pense. Puis ben on aura le fin mot de l'histoire sur cette drôle d'affaire, mais bon, on se doute bien que c'est pas daté. Mais ça aurait pu être cool d'avoir une quête avec daté, hein. Je sais pas si on a dans le 6 en vrai. Ça c'est vrai que j'en ai pas spécialement montré quand je vous ai fait les waifu du... 4 et 5, notamment, il y avait des quêtes liées avec nos personnages principaux, mais le truc, c'est que souvent, faut compléter des choses avant, etc. Tout se débloque pas forcément comme ça. Donc, du coup, j'ai pas pu vous les montrer, parce qu'il y a certaines de ces quêtes-là où il y a même des petites séquences de cinématiques en bonus. Donc, si vous avez l'occasion de jouer au jeu, poncez-les correctement, ça serait dommage de passer à côté. Alors du coup, est-ce que je dois passer par l'échelle ou pas? On va essayer. Parce qu'après tout, ils ont dit le roof, donc le roof, c'est le tour, hein. On va voir. Ayashi Date-san to machiawase shita no wa koko da na. Kiryu-san da na.伊達さんってわけじゃないみたいだな。いや、私が伊達さんだよ。プリペイドカードを渡しなさい。仕組みはよくわからんが、手の込んだ詐欺だったってわけだ。渡さなくてもいいよ。奪い取るだけだから。 Et voilà, on s'en doutait bien, ils sont quand même nombreux. Donc en vrai, on serait quelqu'un de normal, je pense que on serait juste fait défoncer, ou on aurait juste donné les cartes et on serait parti par peur de se faire défoncer. Quoi. Mais heureusement, Kiryu est là pour régler les choses. Par contre, là, je suis en train de me faire défoncer, donc je vais rien régler du tout. Je vais péter l'autre avec son pistolet, là. Voilà. Hop, toi tu vas dégager. Les poubelles dans la gueule. Non. 遅いぜ, Date-san. 大丈夫だ, 解決した. お灸を据えた。わかった。これからも気をつけねえとな。 Allez, sacrée histoire quand même. Bon bah nickel. Bon, on va pouvoir avancer dans l'histoire principale ou pas? Parce qu'à la base, c'était ça, mais bon... À chaque fois, c'est des coups de téléphone et tout, ça te coupe dans le truc. C'est pas genre tu passes à côté d'un truc et tu peux le faire plus tard, non, c'est direct... T'as le coup de téléphone, t'acceptes ou t'acceptes pas, quoi. Allez. Donc direction le bureau de la famille Rossé, mais comme vous pouvez le voir, on a un petit comité d'accueil là qui nous attend sagement.
Donc on va faire genre mine de rien qu'on se promène, hein, normal. On va voir ce qu'ils nous veulent. キリュウさんでの陽明連合会会長クルスからの伝言ですわ。この町から即刻出てってつかさい。理由は親父からの命令ですけ。理由も何もないわ。なる。俺もそんなもん聞く義理はないな。ほうですか。 Allez, c'est parti, on va défoncer du coup les mecs de l'Alliance Sommeil. Donc apparemment Takeru Kohosu aurait envoyé ces hommes-là pour nous dire bon t'es plus le bienvenu à Onomichi. Ça peut paraître bizarre, mais on peut comprendre pourquoi, puisque il tient à tout prix à protéger le secret de Nomichi, et rappelez-vous que bah, Bigelow nous a donné des informations, donc... Voilà, donc ils sont vraiment motivés pour nous défoncer. Forcément, Takeo Kurosu a dû entendre parler que Bigelow avait parlé avec nous. Par contre, il sait pas forcément ce qu'il nous a dit, mais il doit être au courant. Bigelow, à mon avis, là, je pense qu'il doit être mort. Bon, il commence à me casser les boumons, à prendre la moto, là. Allez hop. Et il fait mal quand même lui hein. Là je vois la barre de vie qui m'a enlevé d'un coup. Il est énervé ce garçon. Putain, il enchaîne, lui. Il est déterminé, lui. Allez, mange-moi ça. Allez, tu te seras bien battu, mais ça aura pas suffi. Bon, on peut peut-être prendre le camion maintenant pour se rendre tranquillement. Non, c'est pas possible. Quel dommage. Je crois que cette hit action, par contre, on l'aura vu et revu un nombre incalculable de fois, donc sur le coup, c'est infernal. J'ai l'impression de toujours faire la même. Yeah.
Elle veut pas se lever, tant pis. À ne pas réessayer chez soi, bien évidemment. Pas se laisser choper, lui, c'est infernal. Tiens, mange la jardinière. Voilà. Tu m'en diras des news. Alors, va se soigner un coup. Peut-être que... Ouais, si, je peux aller au restaurant ici. Il y a peut-être moyen. Au lieu d'utiliser du son. Bonjour, je viens de défoncer des mecs. J'ai besoin de manger. S'il vous plaît. Alors, ça donne quoi tout ça? Il y a des trucs qui donnent un peu de vert. Je crois qu'il y avait un bon restaurant pas loin qui donnait beaucoup de points verts, mais c'est pas celui-là. C'était plus que ça. Et je sais plus où il est. Et dans mes souvenirs, je sais que j'avais fermé aussi dans la zone. En vrai, je crois que je vais tout prendre, hein, parce que... L'estomac, il est même pas plein. Pourquoi je peux pas prendre? Ah, c'est peut-être parce que la barre de vie est à fond. Mais c'est qu'un détail, ça. Donc voilà, ce qui est bien aussi, c'est quand on fait des combinaisons, je sais plus si j'en ai déjà parlé, parce que je me souviens plus si je l'ai déjà fait avant, mais quand tu sélectionnes plein de trucs, des fois tu peux te rendre compte qu'il y a des combinaisons de plats et de boissons en général, c'est souvent ça, et ce qui fait que du coup t'as des bonus de points supplémentaires. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça coûte rien de plus, faut juste y penser, en fait, quand on fait la commande, à choisir les bons trucs. Donc voilà, je suis un petit peu alcoolisé. On va prendre une petite boisson pour gagner de l'XP. Parce qu'à mon avis, les fights ne sont pas prêts de s'arrêter, même si la boisson va pas durer longtemps.昭和の黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いていると見られています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後GHQ の占領期の後歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ。お、兄貴、なんじゃい、いつ帰ってきたんじゃ。 連絡しなくて悪かったな。それより雄太は無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がよう分かりませんわ兄貴。 親さんがローを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういうふうに聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる。最後にお前らが、 あの人を見たのはいつだ？親さんがブラッド出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやローのように 俺のことも殺そうとする。それもローが言うとるだけじゃろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノーは兄貴。ほんのガキン頃から広瀬の親父さんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅんは、そんじょそこらの組とは違うんじゃ。
それを中国マフィアのたわごとに踊らされてわしらにおやっさんを疑えっちゅうか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ローの話を頭からお前らが聞く気にならねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、信じとるっちゅうことかい。ほいじゃったら、キリュウさん、わしらはもう、あんたを兄貴とは呼べん。だがもし、尾道の秘密を前にして、そこに親分が現れたとしたら、お前らはうちに親試すようなバカはおらんで、わしらは黙って親の言うことに従えやええ。我も元極道じゃったら分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ極道風吹かすのか。我やなんじゃいよなら。キリュウさん、ほうじゃ、わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表出やキリュウ、わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃがわしは手加減せんど。広島ヤクザの意地っちゅうもんを見しちゃる。我も殺す気で来いや。Ouais, il a l'air très énervé, Nagumo, mais en même temps, vu ce qu'on lui a dit, on peut comprendre, mais ils ont du mal forcément à avaler le truc. Mais après, tout est logique, hein, donc forcément, c'est... Après, c'est aussi leur point de vue, c'est normal. Hein. C'est ce qu'ils disent. Hirose les a recueillis et tout, donc tu te dis, c'est pas... Il y a un problème, quoi. Elle est plus énervée qu'au début du jeu, ça c'est sûr. Impeccable. J'aime bien quand je fais des finishes comme ça, coup de pied sauté. Nanja odorer. Mada owattoran to. Hikkondore ya. Jigau nja kashira. Jama ga haitta de.
本家の連中じゃ。続きは後だ、南雲。じゃが、こいつらは何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろう。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい、南雲。連中に俺とはもう切れたと言え。そうすればお前らは見逃してもらえる。今さらソガーナみっともないまでできんわい。ええんじゃな、頭。本家の連中に見せたでや。わしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのど。Let's go pour le deuxième round. Ils en demandent.Ça doit faire mal. Pas être capable de faire le grand écart presque avec ses pattes, mais ça doit faire mal. Ah, il va claquer, ah bah c'est bon, il a fini. Nagumo.クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃが、おやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え、あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか、頭。でももし親さんがわしらをそのほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしは、ええ加減ソガーにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分が、おやすさんと会うのに、いちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ。あんたと一緒に、尾道の秘密とやらを暴く。ただし、わしらが動くんは、あんたにおやすさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁には、しっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの。桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹は決め、松永。田頭もええの。で、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。 使われとる数字は77361792211。
見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。例えばあいうえおの五十音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとに「こんにちは」を表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあローの暗号の元になった開示表が何なんか分かればええってことか。そういうことになります。確かローは尾道に詳しい人間であれば何か分かるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、分かった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。Voilà, donc on doit trouver des infos sur ce fameux cône, mais là, une chose est sûre, ce qu'on peut dire, c'est que Tagashira, c'est le MVP du moment. Parce que franchement, sans lui, on serait dans le caca. Mais le gars, il a vraiment, vraiment bien pensé au truc. Ça paraît cohérent, en plus. Et on va voir que ça sera pas son seul moment de... où il sera mis en lumière, entre guillemets, ce personnage. Parce que c'est vrai que Tagashira, c'est un personnage qui est très secondaire, hein, par rapport à... comment il s'appelle, Nagumo ou Yuta, forcément. Mais là, c'est vraiment son moment où il va briller, hein, dans le jeu, clairement. Dans les prochaines... déjà là, et dans les prochaines dizaines de minutes. Alors... Kashira-tachi wa kikikomi suru yute dete ikimashita wa. Washi wa netto de jōhō wo atsumete mimasu. Voilà, donc on va aller en ville et puis essayer de trouver des informations qui pourraient nous mettre sur la piste de ces codes. Et en fait, c'est là que ça va intervenir au niveau des différentes pierres. Et pour ça, on va d'abord se renseigner normal. C'est qui lui ? Nanda kisama, ore ni nani ka yō ka ? いい目をしているな。かなりの強者と見た。手合わせ願おうか。OK。C'est un mec qui veut certainement rejoindre le clan Kiryu. Me doutais un peu sa dégaine, je suis dit, on va quand même lui poser des questions, on sait jamais. Il est énervé comme gars. しい強さだな。まだまだ修行が足りなかったようだ。もしよければあなたの元で修行させてくれないか。もっと強くなりたいのでね。Le mec s'appelle Samurai. OK. Et sa spécialité c'est d'envoyer des types à la grenade. C'est d'essayer de trouver la logique. Si vous la trouvez pas, c'est normal, je la trouve pas non plus. Globalement c'est ça. C'est énorme.Alors j'ai combien de points dans cette histoire? Ouais, je crois que j'en ai pas mal, hein. J'ai peut-être pouvoir améliorer un truc que je voulais acheter, là, les orbes du dragon, pour que ça dure plus longtemps, voilà. Yes. Ah, ça coûtait déjà 800. Ah, ça continue de coûter 800, je m'attendais que ça coûte genre le double.
Parce qu'avoir une orbe de plus, mine de rien, ça fait qu'on a le... ce mode-là un peu plus longtemps, donc c'est quand même plus pratique. Apparemment, il y a un truc bleu aussi là, je sais pas si c'est une recrue encore. Parce qu'en fait, je sais plus ou moins ce qu'il faut faire, mais je me demande, parce que techniquement, t'es pas censé trouver ça comme ça. Il y a forcément un moment où il t'aiguille sur ce qu'on doit faire. Là, il y a que des mecs qui veulent nous casser la gueule pour rejoindre notre clan, en fait, j'ai l'impression. Remarque, il a l'air à peu près normal, on ne sait jamais. Quoique... ouais, non. J'ai vu sa boucle d'oreille, je me suis dit, ça fait plus trop homme d'affaires. Ça, ça fait racaille dans les Yakuza. Donc lui, c'est pas pour nous donner des infos. Au pire, c'est pas grave, on va aller à l'objectif, mais c'est juste que... de mémoire, je sais plus trop comment on comprend que c'est ça, en fait. Parce que depuis le début du jeu, en fait, on peut interagir avec ça. Je sais pas pourquoi c'est là, enfin à part pour la déco. Mais c'est bizarre qu'ils disent rien de spécial. Alors attendez, je regarde juste. Donc ouais, parce que là ils disent il y a 9 paires de lettres et de chiffres. Et donc, ouais, du coup, ça pourrait être logique. Alors là, il les marque pas bizarrement. C'est bizarre qu'ils mettent pas les symboles. Mais grosso modo, là, on voit, en fait, sur la minimap, juste en dessous, il y a une petite flèche bleue qui pointe vers le bas, donc faut que je fasse le tour pour y accéder. Et en fait, il se trouve qu'il y a 9... petit truc comme ça, justement. Sauf que sur la map globale, je sais pas, ça les affiche pas. Donc on va interagir avec celle-là, déjà. Tiens donc, Saigo, ça faisait longtemps. On va le croiser. Kiryu-kun ではないか。どうぞ。私と手合わせしないか。今まで以上に優れた護身術を編み出したから実践したくてな。ああ、構わないぜ。 Ça fait longtemps que je l'ai pas affronté, donc je me dis que on va peut-être pas tarder à arriver au bout de son Amelio. Ça fait gagner des points sans trop forcer. Bon, il est pas encore au top de son entraînement apparemment. Là, je l'ai défoncé. C'est pas très cool d'ailleurs de taper un homme qui est déjà à terre, mais bon. Ah, c'était là. Kuhida. Haka kara mo. Hanaoke kara mo. Hibari kana. Kobayashi issa. Donc voilà, du coup, on commence à faire le lien. Il a vu que ça correspondait à la lettre K, donc de l'auteur de ce qui est écrit sur le poème de cette pierre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va trouver l'origine du secret de Nomichi. Donc ces pierres-là, comme je l'ai dit, il y en a 9. Donc on va continuer d'en trouver. Je crois qu'il y en a une autre qui est pas très loin. Bah, merde, c'est vrai, je regarde la map, mais j'oublie qu'ils affichent rien, lol. Donc on va fouiller, mais je crois qu'il y en a peut-être une par là. Parce qu'après, vers le sanctuaire et tout, je sais à peu près où elles sont. Après, bon, de toute façon, il suffit de fouiller la minimap. Hein. Tu te balades et en regardant la minimap, tu vois s'il y a des flèches pour interagir. Donc par contre, je sais pas ce que ça va donner, parce que du coup, je voulais vous parler de ça, donner une petite anecdote concernant ces fameuses pierres.
Donc faut savoir qu'en vrai, à Onomichi, alors je sais plus si c'est le nom exact du vrai bled à Hiroshima, mais en tout cas, vous savez que c'est inspiré d'une vraie ville. Et dans cette ville aussi, il y a des pierres comme ça, avec des poèmes. Alors c'est pas forcément tout le temps des poèmes, ça peut être des poèmes, des citations, des paroles de chansons aussi, de ce que j'ai compris, et peut-être d'autres trucs. Et en gros, d'où ça vient ces trucs-là, c'est différents auteurs qui ont visité la ville de Nomichi au fur et à mesure des siècles, et qui ont en fait, qui ont été inspirés en fait, qui ont aimé aller dans cette ville, et du coup, souvent, ils écrivaient des choses à l'effigie de la ville ou ce genre de choses. Et ce qui fait qu'au final, voilà, c'est devenu un peu un patrimoine culturel local, quoi. C'est un hommage quelque part aux différents auteurs, aux chanteurs, aux différents artistes qui sont venus dans cette ville et qui ont laissé leurs traces entre guillemets. Donc tout ça s'inscrit sur des pierres. Alors dans le jeu il y en a 9, mais je crois que dans la vraie vie il y en a beaucoup plus que ça. Et en gros il y a un espèce de randonnée entre guillemets où t'as toutes les pierres sur ton chemin pour lire tout ça. Et l'autre petite anecdote aussi, c'est ce que j'avais vu sur Twitter, donc l'un des mecs qui a traduit le jeu, donc dans la version anglaise, hein, évidemment. Il expliquait que ça a été très difficile pour eux d'adapter les poèmes en anglais, et qu'ensuite, ils avaient du mal à avoir des sources aussi de ces traductions-là, parce qu'en fait, la plupart de ces poèmes-là, vu que c'est des trucs assez obscurs, très, entre guillemets, japonais, c'est possible qu'une bonne partie n'ait pas été traduite en fait jusque là. Donc c'est les mecs qui ont traduit le jeu vidéo, enfin qui ont traduit le jeu vidéo Yakuza, qui ont participé à traduire des poèmes qui n'avaient jamais été traduits jusque là pour l'Occident en fait, parce que c'est des trucs très locaux qu'on ne pense pas forcément, enfin on peut pas tout traduire non plus dans toutes les traditions de chaque pays en fait, c'est des trucs très locaux en fait. Enfin, très local, pardon. Donc c'est pas quelque chose que t'es censé aller voir sur internet. Normalement, c'est... Tu te perds un petit peu dans une ville slash un village, quoi, et tu tombes sur une pierre, et voilà, tu découvres ce qui est écrit. Donc ça a été une grosse difficulté pour eux, donc moi je sais pas trop ce que ça va donner, parce que du coup c'est affiché en anglais sur l'écran, je pense que je vais juste traduire littéralement l'anglais pour que ça pose pas de problème, parce que du coup... à chaque fois qu'on va lire un poème, etc., il y a aussi des lettres, je crois, qui vont reprendre dans les textes. Et le truc, c'est que forcément, moi, si je traduis en français, on va pas retrouver les mêmes lettres. C'est logique. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes de cohérence au niveau de bah, quand ils vont trouver des lettres et que ça a pas de sens avec moi ce que je traduis, je vais peut-être essayer d'adapter le truc. Ou tout simplement dire, bah tiens, c'est la lettre de tel mot anglais, et puis c'est pas grave. Je traduirai quand même le poème, mais je vais pas. Enfin, je peux pas tout recompiler pour avoir un fake code qui va pas correspondre à ce qui est dit dans le jeu, en fait. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile, mais je tenais à en parler de ce truc-là, parce que je trouve ça intéressant pour le coup. Et du coup, qui profite encore une fois d'un truc très très local lié au Nomichi pour l'ajouter dans le jeu. Pour créer tout un lore autour avec le secret de Nomichi, je trouve que c'est vachement bien trouvé. Et bah bien joué les équipes de Ryuga Gotoku, du coup. Donc on continue. Kuhida. Suwamono ni sake furumawan kiku no hana. Natsume Soseki. Voilà, donc la deuxième pierre, c'est bon. Là, il y en a une troisième qui est juste là. Pas besoin de chercher loin, c'est ça qui est bien. Ah, par contre, ça, il y a une quête ici. Je sais plus si je l'avais entamée, cette quête. Ça me dit quelque chose. Ah non, c'était pour le joueur de baseball, je crois. Je sais plus ce qu'il voulait. Je crois qu'il voulait qu'on lui donne de l'argent, mais genre une grosse somme.
C'est peut-être un million, je sais plus, mais bon, là, j'ai plus le million, donc comme ça, c'est réglé. Kuhida. Hidaruki wa koto ni iksa no taishi nari. Basho. Voilà, donc on passe un petit peu quand il prend les photos, parce que c'est un peu long à chaque fois. Donc ça c'est ok, ensuite vers le cimetière, il y en a une aussi. Oh tiens, il y en a une là-bas aussi, j'avais oublié celle-là. Donc là on est à 3, ça va être la quatrième. Aussi qu'on procède par élimination, parce qu'en fait, sinon tu vas tourner en rond à essayer de trouver la dernière, c'est un peu chiant. C'est pour ça que j'essaie de me souvenir. Kuhida. Noki shigeku. Tateru ieyo ashibiki no. Yama no onomichi. Michi semaki made. Ogata Kowa. Allez, c'est parti. Donc ça, ok. Il y en a peut-être une par là, je sais plus. Je vais m'approcher. Je suis pas sûr hein, pour le coup, mais il n'y a rien qui s'affiche. Donc c'est peut-être pas le cas. Par contre, je sais que par là-bas, il y en a beaucoup. Il y en a une sur le côté, là, déjà. Kuhida. Oyane wa mina tera ni shite kaze kaoru. Iwa ya sazanami. Voilà. Ok, ensuite, du coup, le cimetière, il est là, bah, on va reprendre par la gauche. Tiens, il y a un petit coffre. Est-ce que celui-là, on peut l'ouvrir par hasard? Non. C'est vrai qu'il y a pas mal de coffres et j'ai pas forcément les clés. Ah, ça sent la quête... Ouh, ouais, ça sent la quête secondaire sympa, celle-là. Je vais la marquer sur la map pour plus tard, parce que celle-là, faudrait que je la fasse, elle est cool. En plus, elle est en lien avec un autre Yakuza. Donc on va pas s'en priver. Kuhida. Nodokasa ya Koyama Tsuzuki ni Tou Futatsu. Masaoka Shiki. Ok, ça c'est bon. Ensuite, le cimetière, je crois qu'il y en a une. Non? Ils affichent rien. Ouh, c'est bizarre, ça, il me semblait qu'il y en avait une. Ah, ou c'est celle qui est sur le côté, là, derrière le cimetière, alors. Ouais, ça doit être celle-là. Alors, je sais plus trop à combien je suis, du coup, parce que là, j'en avais une, donc, en bas, ici, une... 2 là, 3, après il y en avait une par là je crois, donc on va dire 4 à peu près, 5 ici, 6, il en reste 3, je crois qu'il y en a au moins 2 par là-bas, ah, peut-être que je trouve la dernière, on verra, j'ai un doute.
クヒだ。覚えきれぬ島々の名や夏霞海海水印。Ok, et puis bah, du coup après il reste plus qu'à aller par là-bas, hein, je pense que... Je sais pas s'il y en a trois là-bas, il me semble qu'il y en a que deux, mais on va voir. Après ça va vraiment jouer à une seule qui me manque, hein, si vraiment il y a un souci. Donc on va tester. Rappelez-vous ici, hein, c'était le fameux temple où on avait affronté Masuzoe, qui nous avait mis la piste, hein, sur ses origines chinoises. Hein, je vous le rappelle, c'était au tout début de, bah, du jeu. Hein. Ça fait très longtemps maintenant, mais je vous avais expliqué que, en parlant de techniques de torture chinoise, machin, en fait, quelque part, il nous mettait déjà sur la piste, sur ses origines chinoises. Par la suite. Alors ça, je sais plus si on l'avait fait, pour le coup, vu que je suis à côté, on va le faire. Un petit mini-jeu, l'histoire d'avoir un petit bonus. Ok. Plus de force pendant 60 secondes. Pourquoi pas. Ça va pas durer longtemps, 60 secondes, mais c'est toujours ça de pris. Allez, on en prend un. Il va nous donner quoi, lui? Les 7 dieux vous ont souri. Donc on va gagner plus d'XP que d'habitude. Ok. C'est toujours mieux que de la force pendant 60 secondes, alors que si je fais pas de combat, en fait, ça sert à rien. Donc voilà. Donc ici il y a une pierre du coup. Alors je sais pas ce qu'il va nous dire lui, tiens. Je pense pas qu'il va vouloir rejoindre notre équipe quand même, il a l'air vieux. Omae-san, minaren kao ja no. Yoso kara kita mon ka. Ah, sonna tokoro da. Kono onomichi to iu tochi wa na, korai kara fukou meibi na minato machi toshite, ooku no hito ni aesarete kitan ja. ここを訪れた有名な作家や詩人たちもこの町の美しさに魅了され、この土地にいろんなシイカを残してきた。尾道の先人たちはそのシイカを未来に伝えようと工夫を立てたんじゃ。お前さんも暇があったら先人たちが残したシイカに触れてみさい。そうだな。工夫は全部で9つある。いろんな場所に立っとるけ、探してみたらどうじゃ。わかった。Voilà, donc il nous expliquait un petit peu ce que j'ai dit plus tôt sur les pierres, et il nous dit bien qu'il y en a 9 au total. Donc, éventuellement, si vous étiez vraiment perdu dans le jeu, à force d'interagir, vous serez tombé sur ce vieux et vous auriez peut-être compris le lien qu'il y a du coup avec le fameux code. Kuhida. Hinokage wa. 青海原を照らしつつ光る孔雀の尾道の沖十返舎一句。OK, et après je sais qu'il y en a au moins une autre ici. Il va peut-être nous manquer une pierre du coup. Donc elle est là, ouais, parce qu'il n'y en a pas d'autre ici. Je sais plus si on était venu là d'ailleurs de nuit. C'est plutôt sympa. On peut apprécier la ville. Alors forcément, il y a beaucoup plus de vie que là où on va, mais nous forcément c'est qu'un quartier à chaque fois. Mais forcément c'est très sympa, je trouve, de voir ça de nuit.
Ça a sa petite ambiance avec les lumières et tout. C'est très cool. Alors, allons voir cette pierre. Kuhida. Banjak zasubeku. Matsu yorubeshi. Shousui kakuru tokoro. Kaiko o arawaru. 6 年重ねて来たる千光寺三四水明四庫にあり晩が半ば暗くして繁栄斜めなり愛集う惨敗未だ傾け去らず神戸を巡らして年頃に諸少年に食騎手せよ先生かつて良いしところと来山よ。Ah, apparemment c'est bon, j'ai les 9 pierres, d'accord. J'en suis pas rendu compte. Donc, bah nickel, j'ai dû louper le compte, mais c'est pas grave, hein, tant mieux, au moins, ça m'évite de galérer à me dire, attends, est-ce que celle-là, je l'ai faite et tout, parce que quand j'avais refait le jeu pour débloquer les cinématiques, là, je l'avais fait en speed, forcément, et ouais, j'ai perdu un temps de ouf là-dessus. Après, j'exagère peut-être un peu, hein, mais c'est juste que quand tu dois faire toute la map et te dire, putain, est-ce que celle-là, je l'ai faite, oui, celle-là, oui, merde, c'est laquelle, tu vois. Donc du coup, ça y est, on a examiné tous les poèmes. Et il semblerait que... on soit sur la bonne piste. Donc là, maintenant, notre objectif, ça va être d'aller forcément au bureau des Hirose pour faire le petit récap de ce qu'on a trouvé. Et peut-être que du coup, ça va aider... Tagashira a décodé tout ça correctement. Donc voilà. Donc du coup, on est déjà à une heure de vidéo, donc vous doutez bien qu'on va s'arrêter ici pour celle-ci, en espérant que cet épisode vous a plu. Et puis, j'espère que vous êtes bien accrochés, parce que la vidéo suivante, il va y avoir beaucoup d'action, mais surtout beaucoup de révélations, énormément de cinématiques, et de dialogues, beaucoup de choses à apprendre. Donc j'espère que vous serez concentrés et que vous suivrez la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, je vous retiens pas plus et je vous dis à la prochaine. Tchuss !